Bonjour, ici Jocelyne Cazin, en bonne compagnie, comme vous le voyez. Toutes ces belles têtes ont du cœur au ventre. Ce sont des auteurs de lancetonlivre.ca. Vous découvrirez chacun de ces auteurs par le biais de capsules vidéo, transmises ou retransmises sur toutes les plateformes de lancetonlivre.ca. Bonne découverte et bonne lecture. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Mme Suzy Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour, Mme Cazin. Madame Pelletier, je ne sais pas comment j'ai envie de vous appeler. Vous avez été capitaine, mais avec tout ce que j'ai lu sur vous, j'ai envie de vous appeler colonel. Ah, c'est une idée, mais vous pouvez aussi m'appeler Suzy, ça va être parfait. Ben, écoutez, Suzy, quand je dis que vous avez un parcours quand même extrêmement généreux, vous êtes un auteur prolifique. Racontez-moi un petit peu. Grosso modo, j'ai commencé. D'abord, j'écris depuis que je suis adolescente. Et mais ma carrière d'écrivain avec la publication de mes livres commence en 2013 avec une collection de 6 tomes et un recueil de nouvelles qui s'appelle Le pays de la terre perdue. Qu'est-ce que ça raconte? Par la suite, j'ai écrit sur du suspense avec ma collection des pirates du web. Et la collection dont je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est ma collection Jeunesse, Noémie et Maxime en voyage. Donc, et je continue, j'ai un recueil de nouvelles et je travaille sur d'autres choses. Noémie et Maxime en voyage, ça raconte quoi? Noémie et Maxime, l'origine de ce livre-là, hein, parce que vous savez que chaque livre a une histoire. Et j'ai des petites filles qui ont maintenant 12 ans et qu'elles adorent lire et j'ai voulu écrire quelque chose pour elles. Donc, la collection Jeunesse commence avec cette idée-là. Noémie et Maxime sont des jeunes de 14 ans, des jumeaux. Et ils vont visiter l'Europe avec leurs parents pendant une année. La maman est architecte, accepte un projet, et le papa est professeur d'école, et il va accepter de prendre un congé sabbatique. Alors, ils partent pour une année. Donc, il va avoir une dizaine de livres au total dans la collection. Et Noémie et Maxime en voyage, ce sont des livres qui s'adressent à des jeunes de quel âge? Ça s'adresse, on commence à les lire vers 9 ans, et ça va jusqu'à 99 ans. Ah bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Madame Pelletier, vous êtes un auteur tellement prolifique que vous avez décidé à un moment donné de créer votre propre maison d'édition. Est-ce que c'est parce que vous aviez de la difficulté lorsque vous frappiez aux maisons d'édition de vous faire éditer, de vous faire publier? En fait, la composante est différente. C'est que j'écris dans des collections. Et souvent, quand on va voir les maisons d'édition, on se fait dire « ben, on va faire le premier puis on va voir comment ça va aller ». Et dans la majorité des maisons d'édition au Québec, on doit aussi laisser sur la table nos droits d'auteur. Mm-hmm. Donc, et comme je me présente chez les éditeurs avec 2 livres, 3 livres, 4 livres parfois de fait, ça complique les choses. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai décidé, c'est la raison principale pourquoi j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition. L'autre chose, c'est que j'ai un MBA, j'ai toute l'information et toute la compétence, si vous voulez, pour gérer une maison d'édition. Alors, je me suis entourée de gens qui sont très compétents aussi pour la fabrication du livre, la correction. Alors, pour moi, c'est devenu aussi intéressant de fabriquer le livre que de l'écrire lui-même. Non seulement vous avez un MBA, Mme Pelletier, mais en même temps, vous avez aussi une carrière en ressources humaines. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir travaillé en ressources humaines, ça vous a aidé à être un meilleur auteur ou une meilleure auteure? Définitivement. Parce que quand on est en ressources humaines, on voit de tout dans l'humanité. Et on voit de tout, on voit les émotions, on voit la beauté de l'humain, puis on voit aussi la déchéance de l'humain, et on voit aussi toute la souffrance parfois chez les humains. Et pour moi, ça me permet, avec cette expérience-là, de bien les décrire quand j'écris de la nouvelle ou des romans. Oui. Je ne sais pas si c'est dans un de vos livres, mais j'ai trouvé une phrase que vous avez écrite. « Pour avancer vers notre futur, il est essentiel de vouloir apprendre du présent, de garder l'esprit ouvert, de confronter ses propres idées aux nouveautés et surtout, il faut laisser aller la vie nous aider à grandir. » Franchement, j'adhère tout à fait à cette phrase-là. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré cette phrase-là? Je pense que ça vient de moi. C'est mon apprentissage complet de toute ma vie. J'aborde pas l'écriture avec à 20 ans. J'ai abordé l'écriture de roman après la retraite.
et toute cette vie-là que j'ai eue vient se retrouver dans mes livres. Et ça, c'est une phrase qu'on retrouve dans le tome 6 de la collection du Pays de la Terre perdue, alors que Nadine est prise avec un dilemme important et elle n'est plus capable d'avancer. Et c'est son ami Emmanuel qui, à travers ce genre de phrase-là, va lui permettre de faire les pas qui vont l'amener vers le futur. Le fait d'avoir commencé à écrire après votre retraite, moi, je trouve que ça donne de l'espoir à des gens qui sont en train de vous écouter, qui se disent, tiens, pourquoi pas écrire après, une fois la retraite. Mais ça prend quand même toute une motivation. C'est intéressant ce que vous demandez là, parce que quand j'ai commencé à écrire la collection du Pays de la Terre perdue, et je me suis aperçue que j'écrivais un roman, j'ai refusé. J'ai mis ça dans le fond d'un tiroir. Ah bon? Et j'ai pas dormi pendant 3 jours. Et j'ai compris que j'avais quelque chose à aller chercher là. Puis je pense que c'est ça qui est le secret. C'est quand on a quelque chose à dire, à raconter, ou qu'on veut prendre contact avec un public, c'est important de le faire. Et je suis partie avec une phrase que j'ai dit très souvent dans ma carrière, quand on veut, on peut. Il suffit de trouver les moyens. Ben oui. Suzy Pelletier, c'est franchement extrêmement intéressant et instructif de vous parler. Et là, pour trouver tous vos livres, parce qu'il y en a plusieurs, on s'adresse à lancetonlivre.ca, mais il y a peut-être d'autres moyens pour avoir accès à vos livres. Oui, j'ai créé un site web qui s'appelle Édition du défi. Il s'appelle, c'est www.édition.com, pas d'accent. Et vous allez trouver toute l'information sur moi, sur mes livres, etc. Je pense que vous avez un bel avenir encore. Eh oui, mais merci beaucoup. Suzy Pelletier, merci, ça a été un plaisir. OK, bye-bye.